Fabiola? Fabiola? Oui, papi. C'est pas pour déplacer le journal, mais tu es là. Non, je ne déplace pas là, non. Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu portes là? Quoi? Quoi, ça que c'est quoi? Mais papi, son bout de pantalon a fait un corsage. Qui j'en réponds comme ça? Je ne comprends pas. Mais papi, vous posez mon question, je réponds nous. L'on prend ça, on met le sous dans la taille là. T'as les gilets lui-même. La flotte est le sous lui. Pour la rue avec elle? Eh bien, papi, et pas moi pour dire Julie ça pour le faire. C'est où plus grand, c'est où l'absurde. Et puis, si je m'en réplique. Et puis, Fabi Penon. Julie, file de ta chambre. Jeune fille, arrête de faire ça sous tout de suite pour moi. C'est pas où seulement dans le cas là. Je pensais que tu étais en train de penser à quelqu'un d'autre. Mais non, pourquoi? Mais j'ai en face de moi une très jolie fille, voyons. Mmh. Mmh. Merci mon chou. Next a tellement aimé belle femme. Mmh. C'est pas la beauté qui compte pour moi chez une fille. Et c'est quoi mon amour? Jenny. Paul. Ok. C'est la fidélité qui compte pour moi chez une fille. Les autres viennent après. Fidélité. Bon, en général tout le monde t'a aimé fidèle mais... Ça ne me dit pas là. Non, je veux dire, la vie est tellement compliquée pour certaines personnes que ça... Si je bien comprendre, la vie, pour beaucoup, n'a infidélité en fille. Exactement. Oh, je comprends. Là, comme je vais. Je vais venir, je vais bien. Oh, Jeff. Eh bien, je vais toi là-bas. Yes, Jenny. Fais vite, oui. Mmh. Infidélité, infidélité. Ouf. Fabiola. Fabiola, oui. Quoi? A pour quitter si m'a fait tout bagarre pour moi? Oh oh, ça gars là. Qu'est-ce que t'as fait de musique non? Oh. Ok. Pas fin, le moment bini m'a dit le consac que c'est pour qu'on te quitte là. Oh oh. Fabio, c'est Pipiti. Ah bon? Tiens. Après. Ça va pas être de temps. Ah ah. Des trucs de femme, mon cher. C'est le problème, y'a de moi. Où est-ce que tu veux des petits là? No, tout d'un coup. C'est vrai. Je peux vous aider? Oui. Salut. Salut. Je peux vous aider? Je peux voir ça? Oui, je vais prendre. Ah. Ça. D'accord. Ça coûte combien? 250 gourdes. 250 gourdes? Uh-huh. Ok.
Alors vous sortez, femme Vina. C'est juste une lotion, ok? Tenez, madame. Merci, au revoir. D'accord, bye bye. Hé, tu viens? Oh. Romero. Juliette. Quoi? Ça va, c'est pas toi. Pourquoi elle est sous nous-mêmes? Hello, bonsoir. Patrick, comment ça va? C'est Julie. Oh, Julie, ça qui passe? Sûrement Fabiola a encore fait une de ses conneries. Juste appelé pour blaguer. Juste pour blaguer? Julie, vous entendez? N'y allez pour le bail blague. Côté Fabi. Elle dort. Betty n'est pas là? Bien sûr, tu veux lui parler? Betty, Julie veut te parler. Que veut-elle? Mais non! Ça a le besoin. Tiens! Allô, Julie, comment tu vas? Je vais bien. Et tes parents? Ils vont bien. Et Fabiola, comment ça marche pour elle? Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes? T'as des noms, bonne nouvelle, Nino. Les biens, qu'est-ce que ça besoin encore? Ah, ma chère, ne fais pas l'enfant. Dis-moi, elle n'aurait pas un petit ami par hasard? Pour qui sont posés une question ça? Son besoin qu'on est. Comment, pas un doigt? Eh bien, son besoin qu'on tout ça qui a passé dans la ville. Cherchez Jonah Fell. Moi-même, Betty, cherchez Jonah Fabiola, pas question. Eh bien, va te faire voir. Allô? 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 Ouais, tu veux maintenant accoucher? Mais c'est normal, tout ton fou est bouché dans ce paragadou. D'ailleurs, ça fait blague fort, hein? Il n'y a pas de café, non? Papa, si tu es. Devant mon café, bagay mal, bagay sale. Son zange va blague, tu vois ça? Tout de même, c'est 9 familles en café. Après, 9 familles, là. Et puis, bon, je vais aller. Depuis combien de temps, bagay fin passé, ou pas chamblier, ou pas chambardonner, t'aimes! Blier jamais, bagay doit chamblier, nous, ça, attendez? Mon cher, si je ne pas jouer à monsieur, je n'ai pas de problème, mais je suis monsieur deux fois, je ne pas jouer, non, mais. Non, je checker monsieur pour vous. Je ne vais pas jouer à monsieur. Je ne vais pas jouer à monsieur. Je ne vais pas jouer à monsieur. Oh, faut que je l'aille, man. Tiens, on n'a pas la brève. Ok, bon bagay. Bonsoir. Bonsoir. Fabi, tu vas bien? Comment est-ce que tu parles avec Fabi? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours excité. T'as un problème? Tu sais, tu es seul dans la vie. Je crois qu'il te faut un homme. Un vrai. Et c'est moi. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es un homme? Tu te prends pour un homme? Tu veux la preuve? Ah, jamais de la vie. Yon sous sous ton cou. Alors là, tu dépasses les bonnes, hein? Ça que t'es tout fin dans mes démons alors? Oh oh. T'as besoin d'exé ou m'dabre? Eh bien ok, ma faut payer bouche, t'en dis. Eh bien, ma p'tan nous. Jenny! Ouais? Qu'est-ce que tu as? Rien. Comment ça rien? J'ai rien, je te dis, tu ne comprends pas? J'ai rien. Laisse-moi te dire, Ronnie. Passage qui est écrit dans la Bible qui dit « Un mari fait pour l'occuper, madame ni. » Pourquoi j'aime l'île? Ben, obligé Marie à venir entrer l'église à voir pour prendre soin de moi. Je dois me nourrir, je dois me vêtir. Ça fait une semaine que tu m'as rien donné. Tu comprends ça? Je ne peux même pas me faire une manucure. J'en ai marre à la fin. Non, non, maman. Il y en a combien là-dedans? Je dois voir le médecin aussi. Aïe, mon chéri. Ah, mon chéri. Merci, tu es super. Tu es super. Je t'aime. Oui, mère. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commande? Garçon, le menu. Oh. Dis-moi, chérie, comment a été ta journée? Toute belle chef qui n'en fait. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton boulot? Dis-moi, raconte-moi la journée. Depuis avant, je ne m'avoue pas qu'elle vit pour Gina, même pas, je me fais un même. Je dis, elle me sentit bon là. Oh, tu
chéri, vite fais venir un bagage dans mon âme. Ah, je suis vite fais venir un bagage dans mon âme. Vite fais venir un bagage, chéri. Mais ouais, l'âme chargée de couler, bam, qui l'aide, boum, boum, qui chèque, boum, boum, qui tout le bagage qui est besoin, chéri. Comment vous me savez? On doit la revendre. Je vais prendre des bonbons. Pas de problème. Mais bon, on suit, tout comme des gars. Pas de problème, chérie. Ok. Ok, pas oublier. Faut tourner venir acheter encore. Ok. D'accord. On est fort à vous, Zabari. Eh, monsieur, monsieur, nous venons acheter, non? Ah, bonne coloquette. Celle qui est là, toi. Elle a déposé là-bas. Mais c'était. Bonsoir. Bonsoir. Tu te souviens de moi? Non. T'es toujours aussi belle. Tu veux que je te dépose? Non, non. Taxi. Monsieur, es-tu toujours? Je donne un chien. Oh oh! Fais un numéro là, Zamba Mandel. Chérie, m'sou. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Mademoiselle Fabi. Elle n'est pas là, s'il vous plaît. C'est de qui? Dis-lui que c'est ton ami. Fabi? C'est pour toi. C'est qui? Je ne sais pas moi, on dit à mon tabagène non. Allô? Allô? C'est mademoiselle Fabiola? Oui, c'est qui? Un ami. Es-tu toujours aussi belle? Quoi? Mais qui êtes-vous? Tu as laissé tomber quelque chose en montant le taxi. Quelque chose? Salut là. Mon Dieu. Mon carnet. Oui, Fabiola. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, parlez là quand même, entendez? Allô? Monsieur, à part que t'as flashé. C'est pas vrai. Des onze amis. Qui pour faire me sourire. C'est ça, ça que t'es là, hein? Et ça m'a avoué là, ma mère m'a salué ou ma figo là, non? Kounia, ce que t'as là? Ah bon? Tu me demandes ce que j'ai? Mais tu as du culot, toi? Ça m'a t'as fait là? En plus, on m'a dit qui s'en fait. Ou pas qu'on a qui l'ont entré là hier soir? Ah, ça? Je sais qu'il t'aime respirer au bonheur, non? Ok. Oh, oh. Bon, moi, je dis un bagaille. Si un bagaille arrive, ça m'a le fait, ça m'a dit. Qui m'a laissé ça? Nous toujours mettons qui vient penser dans tête nous. Mais même pas conjuguer bagage ça moi-même. D'ailleurs, on est pas tant que ni dans présent, ni dans futur. Bon Dieu, son est capable de gérer la vie moi. Ah mais OK. Ça va comme ça me donne ça. Ah mais OK, fais blague avec ça. Bon OK, ma foi encore, OK. On connaît ma prélé maman pas me donner. Ma pas très bonne. Ah, qu'est-ce ça donne ici? Péché me vive. Qu'on y a quand même femme monter doyer là, oui. Même ta souhaite c'est qu'elle génie, OK. Jenny, ou pas qu'on connaît Jenny? Qui ça? Ben bon elle dit où? Ouais avant elle a tout sorti hein? Les maps descendent là. Les maps de monter, des grands groupes profiter à l'en bas. Yeah. M'entrer dans un restaurant, ça qu'on aime ouais. Qui ça? Jenny qui a bonnet sous bouche. Ah bah oui. Oh ça me fait crier pour me crier. Bon sous bouche, je me dis. Oh ça pour me faire crier pour me crier, Jeff. Ou la bonne glace sous bouche. Ça en fait. Malé. Ou aller ou capon. Mettre capon. Mettre capon. Là on y a besoin de bon petit monde. Bon petit monde. Il pourra faire me sourire de temps en temps. On va en salle de là. À la fin qu'elle est dans l'église, moi je cherche lui. Ah!
Fabi, comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va bien pour toi? Ça va. Colotte mon yo. Ah? Seulement même qui là? Papi sorti, mamie à la magasin. Et Julie? Mademoiselle Julie a décidé de faire sport. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En parlant, vous connaissez bien besoin? À quel sujet? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous connaissez, moi et Julie, nous sommes dans le magasin. Dernièrement, pendant nous dans le magasin, tout le monde a entré, vient faire un chat. Un petit jeune homme qui est entré. Vous connaissez ça, mon problème en pile? Vous avez dit que je suis doux, vous avez pensé. Bon, vous avez qui a tiré. Parce que vous avez un bon monde qui vient dans le magasin. Donc, ce n'est pas pour mes garçons. Pour qui ça ou pas, j'aime penser à eux. Pour qui ça c'est lui-même directement. Moi attirer ça trop fort. Bon, juste moi m'a pas savé tout simplement, même pas dit m'attirer pas lui-même. Bon, si vous capable venir dire ça parce que vous senti un bagaille dans ou. Oui, même trouver ça impossible. Bon, c'est pas parce impossible. Parce que gon paquet monde qui entrer dans magasin, on comprend. Mais non, chérie, c'est tout à fait naturel. Tout monde qui attiré par un autre monde. Donc c'est la nature qui a fait le travail. Pas de mentir dans ça. Ou pas de qualité contre ça. Depuis qu'il est arrivé, il faut le faire. Sauf que il y a un pile vagabondeur qui profite de la situation. Je comprends ça, Dimna. Pas un peu, parce que. Où sont-ils pas à Johnny? Pas de gagnant moi-même à Johnny. Papa m'a éclaté, t'es pour ça pour un paquet de bagages. Mais le plus souvent, c'est pas mal, non, vous voulez. Et pas tellement foncer de mauvaises expériences qui ca nuit à l'avenir. Pas on y remet, yo seulement pas comment pour adapter yo. Attends ça. On comprend. Bon, comme toujours là, m'a toujours pas l'avant. Eh bien, ou pas rien pour là, ou pas sandwich, bagaille ça yo. Depuis hier soir, m'ta pas l'avant, pas dit mon t'a venu là. Ou t'es là, ou tout demain, je passe. Tu fais le jeune homme aller. M'bra le petit jeune dedans. Moi pour ba, oui, m'con on ca prendre. Pour moi. Salut cher. Bonsoir. Hey, Jeff est là? Il dort. Merci. Mais il dort, je te dis. Hey, Jesse. Yes. L'œil du mec, ma chère. Hey. Oui. Merde. Toute belle chef qui n'en fait pas. Yes. Dans son bipo. Lève-toi mon amour. Stop fait là. Comment qu'est-ce je... qui t'entrait là? Je ne te comprends pas. Comment? Marie doit venir au ménagement encore? Je n'ai plus le droit maintenant. Toutes conditions réunies pour tes écrits. Marie doit ça encore. C'est aucun des mots de l'ambiance. Je t'en prie, chérie, écoute, chérie, tu sais que je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi, tu sais. Dieu, j'ai envie. Toi. Je t'en prie, Dieu, non. Ça qu'est là? Quel problème, ni? L'entrée dans ménopause. Par contre, ça qui plus dur. Papi, lui même comme c'est seul, l'a suivi. Mais lui même, il parle en ménopause, non? Lui même. Bah, alors, on s'en casse, non? Oh, c'est vraiment nuisible, hein? Julie, prends le téléphone. Oh. Allez, oh sister, prends téléphone, non. D'accord. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Puis-je parler à Fabiola, s'il vous plaît? Attendez, je vous prie. Fabiola. C'est lui. Qui lui ça? Le jeune homme qui t'a appelé la dernière fois. Voilà. Allô? Oui. Elle n'est pas là, monsieur, désolé. Bien, dans ce cas... Je rappellerai. Monsieur, écoutez, n'appelez plus, je vous en prie, attendez. Allô? Fabiola. Écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Alors, cessez d'appeler chez moi. À une seule condition. Quoi? Je dis à une seule condition. Et laquelle, je vous prie? Que tu viennes chez moi, Fabiola. Quoi? Mais vous êtes fou. Puisque je ne peux pas venir dans ce cas, c'est en train de le faire. Et pourquoi? Fabiola, c'est tout. Non, non, je ne peux pas. Eh bien, dans ce cas, tu auras toujours l'occasion d'entendre ma voix. Ok, attends, je te donne l'adresse. Ah bon? Wickerstrom, numéro 36. Ça va, Julie, ça va? Ça va?
À quel soir tu parles, qu'il ne faut pas parler fort. Moi-même. Oh. Papi, ça fait Patrick que l'a parlé. Patrick. Patrick. Il fait là. Il y a un problème, Fabien. Il n'a pas mentir. Oui, ok, bye bye. Pas de téléphone, moi. Patrick. Allô. Allô. Où est-ce que tu as fait mon rapproché? Eh, mais papi, il est parti pour nous. Seulement. Seulement. Bonsoir. Ça va? Mm-hmm. Viens donc. Tu peux entrer. Viens donc. Tu peux entrer. Viens. Allons-y. Pourquoi tu ne vas pas entrer? Non. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi? Mais... Écoutez, monsieur... Mon père est un homme strict. Et c'est quoi ce bref femme, s'il vous plaît. Wow. Parlez-le là comme encore. Je sais, Fabiola. Et comment? Fais-moi confiance. Non, je ne veux pas. Et pourquoi? Je dois être à l'heure chez moi, sinon... Je sais tout, Fabiola. Je sais... Comment ça, tu sais? Tes yeux, Fabiola. Tes yeux, ils disent tout. Mes yeux? Fabiola, viens maintenant. Je comprends, Fabiola. Tu peux être cool. T'en fais pas. Parce que c'est comme ça, ok? Vas-y, tu peux t'asseoir. C'est que... Fabiola, allons! Ça va? Ça va. Votre nom c'est? Jeff. Ah, c'est ma soeur Jessie. Tu te souviens d'elle, j'espère? Jessie, c'est Fabiola. Ah oui? Comment es-tu? Ça va. Ça va? Ah, tu veux boire quelque chose? Ça va, non merci. Eh bien d'accord, disons à tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, Jeff. Ok, sister. Vous faites quoi dans la vie? Étudiant en sciences comptables. C'est bien. Mm-hmm. Tu as combien de sœurs? Une seule. Ok. T'as pas de frère? Non. Tu disais tout à l'heure que ton père est un homme très strict, alors tu veux bien me parler de lui, non? Non, non, je préfère de ne pas en parler. Et de quoi voudrais-tu qu'on en parle? Comme par exemple, rentrer chez moi. Mais tu n'as que 5 minutes, Fabiola. Oui, je dois... Ça passe, man. En forme, man. Ça fait quoi ça? Negla. Jeff, je dois entrer. Ah, Jeff, mon cher. Tu pourrais me présenter à ta petite amie, non? Je suis Richie. Et vous? Fabiola Grant. Je suis très heureux. Moi aussi. Jeff. Ouais. Fun way plus tard, man. Mais, ma vie, non, ouais. Ok. Au revoir, Fabiola. Au revoir. Je dois entrer. Mais, tu veux vraiment partir maintenant? Oui. Je ne peux pas rester. Attends, tu es à quelle école? Chez la sœur Myriam. Ok. Ok, bye bye. Tu veux prendre le taxi? Mm-hmm. Je peux te conduire? D'accord. Alors, dis-moi, comment il est? Il est attirant. Il est très beau. Mmh. Alors, quels sont tes sentiments? Ce que je ressens pour lui. Il m'attire, ça je peux te le dire, il m'attire. Mais Cassandre, est-ce que moi, je suis capable de gagner au monde pour mener la caille? Est-ce que papa m'a même joué avec papa? Bah quoi ça? Eh bien Fabiola, écoute ton cœur, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que, naturellement, ou pas arrêter avec sentiment. Comme ça. Pas aventurer aujourd'hui, hein, ou à faire un jour quand même. Maman, regarde ma tête. Qu'est-ce qu'on va dire à papa? Calme-toi, ma chérie. Papa, on a un problème dans les cheveux. Docteur a tête dit que c'est coupé pour me couper les cheveux. Mais mamie, ou pas t'avertil? C'est vrai, m'a t'avertil, c'est vrai. Mais papa a tellement aimé parler en pile. Bonsoir, tonton Gérard. Mmh, ça va bien. Tu vas bien, tonton? Mmh. Comment va, Patrick? Il va bien. Mesdames, pas là?
Pourquoi vous l'avez? Lucie! Julie! Mais les nous, oui? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais tout arranger et laisse-moi faire. En allez, non? Comment vas-tu, Betty? Julie, qu'est-ce que c'est que cette façon? Viens saluer Betty, gentiment. Sa peste. Comment va Fabiola? Sans besoin. Julie? Papi, c'est qu'on n'a pas connu Jean-Fils sa peste. Julie, respecte-toi et va de ta chambre. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Peut-être qu'on fait l'on bagaille. Mais au contraire... C'est lui-même qui fait le téléphone dans son mois avant hier. C'est normal, puisqu'on t'a fouillé. À toi? Ouais. C'est bien moi. Et au cono bagaille, m'arrête mes moun ka foué bouche en affaire moun. Ka fait zin, surtout. Eh, Fabiola. Qu'est-ce que ça veut dire au moins? Mais papa, laisse-moi parler au moins. C'est mon droit, non? Ton droit? Ici, c'est ma maison. Et jusqu'à cette minute, tu es sous mon toit. Combat-toi bien. Sinon. Sinon quoi, Gérard? Sinon, dégage. Ah bon? Je comprends maintenant. Tu as compris quoi? Réponds. Maman, comme c'est toi qui m'as mise au monde, saurais-tu te tromper? Je veux dire, suis-je vraiment la fille de mon père? Ne dis pas ça, Fabi. Tu es la fille de Gérard. Tu es notre fille. Oh non. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Arrête tes idioties. Tu sais très bien que c'est ta faute si quelque chose s'est cassé entre nous. Tu sais aussi que tu es notre fille. Et que si tu n'avais pas commis cette bêtise, on aurait pu rester une famille unie. Mais tu l'as dit toi-même, papa. Ici, c'est ma maison. Tu es sous mon toit. Comporte-toi bien, sinon, dégage. Crois-tu qu'un vrai père dirait pareille chose à sa fille? Mais tu l'as fait toi-même, ma fille. Qui t'a mis à la porte? Qui t'avait mis à la porte? Ta mère, moi, non, personne. Seulement, tu voulais ta liberté ou du moins faire ta propre petite expérience en passant 2 jours et 2 nuits seul avec un gamin, un bon à rien. Qui ne pensait qu'à une seule chose. Oui, une seule chose. Alors qu'à l'époque, notre fille n'avait que 15 ans. 15 ans seulement dans les bras d'un petit voyou. Et ta mère, et moi, tu avais pensé à nous, non? On a eu 2 jours de cauchemar, c'est normal. Puisque personne ne savait où tu étais. Bon, sans besoin de venir dans ma gaille, ça encore. Bah, il y a déjà passé, déjà. Du passé? Mais Lucie, ne sais-tu pas ce que c'est qu'une cicatrice? Un cauchemar? Oui, son cauchemar. Lucie passait 2 jours après relais. Croyant que sa fille était morte ou kidnappée. Alors que bien au contraire, elle était là, en train de se donner un petit voyou. Mais papa, m'était que t'en douce ça déjà, pas gagné que t'es passé entre nous, pas de gagné. D'après toi, qui va avaler ça? Sauf un bébé. Écoute-moi bien très cher, ou qu'on nous bagaille, m'pas bien léger, mais j'avoue. Ou à côté m'vle fini, moi j'ai contrôle tête moi-même. Si m'dou, pas gagné que t'es passé entre John Yavem, c'est que pas gagné que t'es passé. Mais après? Là? Ce serait mon affaire. Quoi? Ton affaire? Ça... Hey! Oh, Gérard! Et puis saute devant moi. On a les petites. Tonton Gérard, gala et puis ton malé, qui t'es malé. Ok, bye bye. Ok. À la toi, papa. Ok, Jeff, nous finissons par parler, mais nous avons des bagages pour nous. Tout va se faire. Ok, Jeff. Ok, j'ai tout. Ok. Ok? Yes. Yes. Allô? Oui, allô, bonsoir. Puis-je parler à mademoiselle Fabiola? Attendez. Fabi, c'est pour toi. Ah, ça peut être Cassandre. C'est plutôt un jeune homme. Un jeune homme pour moi? Il s'est peut-être trompé de numéro. Prends le téléphone, jeune fille. Pas perdu de temps dans le téléphone, non? Parce qu'on qui est-ce qui va pas. Allô? Allô? Fabiola? Oui? C'est moi, Jeff. Jeff? Je crois que je parle de la caille encore. Bon, si c'est papa qui te prend le téléphone, non?
C'est maman qui sort mon téléphone là. Vraiment? Je suis désolé. Mais qui l'a pas eu? Écoute, Jeff, n'appelle plus chez moi. Et on ne doit plus se voir, ok? Mais franchement, Fabiola, pour qui ça? Jeff, dernière fois, je me devine à Kawa, je me dis que papa me sont mon qui dure. C'est pour ça que je me devine à Kawa. S'il te plaît, parlez la Kawa encore. Parce que je commence à être trop ennuyé, ok? Pardonne-moi. Bon, allez. Je voulais pas t'ennuyer, ok, Fabiola? Ok, bon, allez. Fabiola, je t'aime, tu sais. Tu m'aimes? Au revoir, Jeff. Il m'aime. Allô? Allô? Richie, comment vas-tu? Oh, Jenny, comment vas-tu? Ça va, mais Richie, à pas pratiquer ma ronage net. Ah, ma chère, c'est pas vrai. Alors qu'on n'est pas gain temps. Ouais, qui m'a couru là même? Puis, God, dis-moi, que pour le match, Jeff, encore, non? Petite, comme si on te connaît. Tête moins chaud là. Tête tout chaud? Pour qui ça là même, Jenny? Jeff, gon l'autre fille. Bon, quand je n'ai pas eu ce qu'on dit là. Ah, me connais? Est-ce que c'est vrai, Richie? Bon, quoi, dis me connais? Je pas quoi me gagner pour me dire. Bon, normalement, je suspecte. Même pas qu'on gagne preuve. On sait le bas, je me dis. Cherchez qu'on est. Richie, aide-moi. Ou pas perdre ça, non? Je ne comprends pas. Sauf dis-moi là. Tu n'es pas un homme, Richie. Bon, on croirait, mais Jeff. Et alors? Et alors, tu me fais des avances? Richie, aide-moi. Je veux savoir. Qui sauve les connaît Jenny? Tout, absolument tout, ce qui concerne cette garce qui essaie de m'enlever l'amour de ma vie. L'amour de ta vie? Ok, Jenny. Puisqu'on veut les connaît, on va le beau et on t'y aperçu. Mais surtout pas un mois, Jeff, ok? Vous t'entendez? Ne t'en fais pas, ce sera bouche cousue. M'a passé la carte, disons, vers les 7 heures. Ok, je t'attends. Eh bien, ok, bye bye. Allons, Jenny, ça. C'est qui est-ce? Ah, là, c'est ma mère, mon père, et là, c'est la cousine de ma mère. Tu as une grande famille, Jeff? Tes parents, ils n'ont que deux enfants? Ah, exactement, oui. Ils ont des petits trésors. Comment ils sont tes parents? Mes parents? Ils sont cool, compréhensifs et surtout très affectueux. Je suis contente pour toi, tu sais. Merci. J'aimerais tellement parler de mes parents ici. Mais c'est dommage. J'ai un père qui ne me croit pas et une mère qui subit la même hiérarchie que moi. Je les aime vraiment, tu sais. Je les aime vraiment. Je t'aime, tu sais. C'est vrai. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Non, Jeff. Mais qu'est-ce qu'il y a, Fabiola? Dis-moi tout. Tu m'attires beaucoup, mais je veux attendre. Qu'est-ce que tu veux attendre? Je veux attendre pour avoir une vraie relation. Qu'entends-tu par vraie relation, Fabiola? Le sexe? Les caresses? Avant de te rencontrer, je voyais les choses ainsi. Cela veut dire que tu saurais attendre? Bien sûr, Fabiola. L'important pour moi, c'est toi. Ta présence,
ton regard. Il n'y a qu'une chose, je le promets, moi. De me donner souvent des petites visites. Ça va demander de me mentir la caméra, pour me mentir la caméra. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais, des petites visites, simplement. Bon, je vais faire de mon mieux. Je t'aime. Ou pas constater, hein? À quel sujet? Tu n'as rien remarqué d'anormal ces temps derniers? Pas vraiment. Alors, si je bien comprends, c'est moi seulement que j'ai pour un. Bon, je me donne mes mots. Ça, mesdames, ça est devenu. On pas comprendre, non? Ou de comprendre, Lucie, ces deux petites filles. Et on connaît très bien comment elles sont. Fabiola, tu vas voir. Oui, papi. Qui aurait travaillé à l'école là? Bah, on aurait fixe, non? Alors, si nous avons ou travail chaque jour, mais sur ça, alors on aurait nous pas manquer à l'école. Papi, c'est examen, on peut arriver. Un examen, on oublie. Merci. Examen. Je vais continuer à continuer à supporter toujours. Non? Comme c'est au moment, fais devoir. Moi, faire devoir, M'Gérard. Même. Pourtant, je me fais deux voix. C'est pourtant que je suis excité même j'avais. C'est le genre de bagage ça qui fait si je fais mauvaise expérience là, oui. Mm-hmm. Ça aussi blague wab. Toutes ces beaux si je a fait pour gagner une match à suivre. Mais Gérard, si je n'ai l'âge pour le remer, Fabiola a 18 ans. Oh oh. Se maquille maintenant. J'en ai compte pas même mon cap maquillé. Il y a du nouveau, hein. Ah, Fabi. Pourquoi tu pas dit non? Ça me dit là. Même d'une qui soit d'aimer une jour. M'a pas d'eau. Ouais, c'est papa m'a dit la passe est bon bagaille, t'en es? Ah, ma chère. Ne fais pas l'enfant. Je suis ta soeur, non? Qu'est-ce que tu vas dire là? Laisse-moi voir. Je peux deviner, hein. Il est grand, beau, musclé, hein? Dis-moi donc. Pas les pères, mais pas sur la zone. Fabi! Et puis, quitte-moi tranquille, ok? Je nomme magasin, hein, sister. Eh bien, mets-toi dehors, non? Allez, allez. Oui, Juliette. Allez!
Oh, maman. Fabi, tu non. sors? Oh, pourquoi tous ces changements? Tes cheveux, maquillage, tout ça? Juste, je me fais une belle mouille dans la chambre. Où sûr? Pourquoi nous font-ils parler à deux? De quoi, maman? De tout et de rien. Parce que c'est maman, ou capable de dire maman toute bagaille. Je sais. Quand j'aime voulu plus rester sur études, moi. Parce que quand j'aime t'ai perdu en année déjà. Non, bah, ça alors. Je voulais juste rattraper le temps. Ou sûr? Mm-hmm. Qu'as-tu, princesse? Je ne sais pas. J'ai comme un pressentiment. Comme quoi? Je ne sais rien. Tu penses aux réactions de ton père? Si toutefois, il serait au courant pour nous deux? Comment il le saurait? Fabi, le monde est petit. Il cesse de se tracasser, ok? Nous sommes ensemble, c'est ça le plus important. Pour combien de temps? Pourquoi tu dis ça? Tu veux me quitter? Tu ne connais pas mon père, hélas. Promets-moi, quoi qu'il arrive, qu'on s'aimera toujours. Que tu seras toujours là pour moi. Même quand il y aura une séparation. Pourquoi est-ce qu'on se séparerait? Pourquoi? Tu as peur de ton père à ce point? C'est pas mon Dieu. Fabiola, reviens. Quelle heure est-il maintenant? Je travaille avec les autres. Comment ça? On travaille les maths. Vous n'avez jamais fait team de bagarre comme ça? Je ne savais pas. Je ne savais pas? Vous ne connaissez pas? C'est ça que j'attends de dire. Seulement, respect! Julie, Fabi! Julie! Oh mon Dieu, Gérard, sois gay! Sois senti! Oh mon Dieu, Gérard, m'a fait ça! Papa, oh! Pourquoi ça va pas si bien que le secteur? Oh mon Dieu! Allô, bonsoir. Pat, c'est Fabi. Oh, Fabi? Comment est-ce? Mais qui m'a couru les mains, ça? Il n'y a rien, j'espère. Non. Tout va bien. Comment va tonton Gérard? Il va pas l'empile semaine, ça? Ah, maladie après hier. Oh, oh. Si, mal d'appel l'empile. Où qu'on est? Tout le monde a gagné un peu. Surtout, c'est avec ni t'as parlé. Bon, jusqu'à les barres, ça va finir. Bon Dieu, qu'on est. Ouh, pas de petite cousine ou entrave. M'pas qu'on dit ça pour m'faire. Ah ouais? Ou qu'on sait ou qu'on sait? Ça gagne même. À propos de Jeff, t'y n'est que la bon problème. Il me rend folle. Qui est-ce Jeff? T'y n'est que n'a pas l'olant. Oh, tu l'as revu? Eh bien, pas. Dis-moi, ça pour m'faire. Où sont jeunes filles?
faut que ça t'arrive un jour l'autre. Hmm. Aussi simple que ça? Mais non, Fabi, m'a pas dit ça. D'ailleurs, au courant que Gérard, maintenant tu dois apprendre à gérer la situation. Même Rémel. Attends, Fabi, attends. Mon nom fait mes téléphones, mon nom a parlé. Allô? Fabi, n'a pas de mai, ok? Je comprends, ok, bye bye. Comment? Pourquoi que je me quitte ou même? Je ne comprends pas. Expliquez-vous. Vous trouvez normal pour obtenir tout ça mon abdi dans le téléphone? Hein? Mais ma chère, tu deviens insupportable. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci pour vous. Ça va bien. Mm-hmm. Ne te terrasse pas. Bye. Bonsoir, tonton Gérard. Tu vas bien, tonton? Mm-hmm. Comment va Patrick? Merci à la, oui. Mais avant, il y a un ex qui a sorti pour battre mon encaille là. Je ne peux pas comprendre. Pour un monde plus grand, pour une pauvre petite famille, ou un mauvais conseil. Mm-hmm. Les choses sont tellement dures de nos jours. Une jeune fille doit se surveiller. Parce que jeune garçon aussi menti à marcher par dehors. D'ailleurs, ils n'ont rien à perdre. Dans tout ça, où je n'ai pas un capé à l'école pour une jeune fille, c'est pour... Et puis... Betty, tu es porteuse de quelle mauvaise nouvelle? Écoute, fais pas avoir un examen, Anissa. Bon, mais... Où est-ce que tu déjà Betty, non? Comme n'est pas en accord avec... Dis l'étudier, encourager le travail. Mais chaque jour, là, le travail avec l'autre élève à l'école, là? Hein? Vraiment? Je vois. Oncle Gérard, je dois m'en aller. Je ne peux pas rester trop longtemps. Mais je vois qu'il y a encore du pain sur la planche. Bye bye, Oncle Gérard. Allons travailler ça, papa. Woody? Oui, Monsieur Gott. Monsieur Gott, j'ai un boulot à te confier. Ok? Moi? Attendez mesdames, je ne vais pas commencer avec Fabiola, Fabiola Grotte, aussi clair. Merci beaucoup, bon passé. Tu es Fabiola Grotte? Oui. Ou pas attendez parler de moi? Moi c'est Jeff. Ah bon? Et je suis la fiancée de Jeff. Oh! Uh-huh. Excusez-moi. Uh-huh. Bon, je dis parole. Qui en fait nous aimer prendre ménage moun comme ça ou pas cacher chez pas ou ah. Hein ah gardez ou pas parler avant m'a parler. Écoute, Jeff ne veut pas de toi, il s'amuse avec toi, il prend son plaisir, vous comprenez moi? Écoute, je te jure, sous pas pour quitter Jeff tranquille, ton écrasé moi et maman et deux femmes, c'est l'école, mon gars, comment est-ce que tu veux de moi? Pas connait Lucie, n'oublie pas que nous devons sortir cet après-midi. Je crois que... Non. Qu'on est un qui est long. Je l'ai vu déjà. Dis-lui de se préparer. Toi aussi d'ailleurs. Eh bien, bien, à tout à l'heure. Mon petit document pour vous, oui, là. Mon cher, faut que tu sortes après-midi. Hein? Ou à sortir à mesdames, yo? Avec Lucie, avec Julie. Oh, ou pas sortir à Bigan? Mon cher... De vos jeunes filles qui ont même un petit fichier avec elle. Julia, comme suspect qui t'a voulu ouvrir elle, m'a prendre même avec elle.
jeune fille commence à avoir problème de avoir eu. Ça qui est dur, c'est que on fait tout ce qu'on est capable pour protéger les gens, pour jeune garçon pas courir avec elle, c'est pas ça le ouais. Pendant qu'elle a là avec lui, il a tout à fait. Ou même moi occupé ba manger toute bagaille. Monsieur Grant, on pas connait les gens qui n'en aimer. Oh. Ça pour dire. Nous sommes avec eux. L'aime là, mon côté au terre. Seulement, nous dit toujours dit n'a pas une jeune fille qui a pourtant qu'un accouché avec maman. Ou elle n'a l'obé ou, le mal arrivé ou. Bon, bien, moi. Oh, oh. Ah, monsieur Grant, vous avez une bille du baba. Ou après, dit Dieu pour occuper un petit monde, pour à chercher l'autre petit bon occupé. Bon, faut pas dire que son équipe qui fouille à votre nom. Faut bien qu'il ait 19 ans. Mon cher jeune fille a fait 18 ans. Oh, 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 oh. 18 ans. Femme papa, ma goa mu. Quoi? Non, non, nous doutons que nous bien grandi. Mon cher jeune fille, ça m'a connu ça m'a avec non? Bah quoi, il faut faire coller encore. Après ça, te fin basse, j'ai l'impression qu'elle a peur de vous. Comment faire comme ça? Non, et. Ou quoi, j'en ai parlé là, et puis. Semaine dernière, elle dans la caille, moi, tout bagaille plutôt calme. Tout bagaille en forme, donc, bah quoi, y'a problème. S'il te fait respect, il est d'abord pour lui. Parce que franchement, je ne peux pas supporter le corps. D'ailleurs, je ne peux pas faire confiance du tout. Ah bon? On comprend. En tout cas, bon. On va quitter la bonne aujourd'hui, on va sortir Pita. Bon, dans le pareil de 4h30. 4h, et bien voilà, dit à 7h, qu'est-ce qu'il y a de la carrière déjà? Bon, disons 6h. 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 Mm-hmm. Bon, comme je suis sorti. Bon, on va aller vraiment, hein? Si tu es sûr, je vais aller régler, mais allez. Eh, mais il y a un problème. Ok. Alors, amusez-vous bien. Mademoiselle Fabiola! Mademoiselle Fabiola! Yes. One more time. Mademoiselle Fabiola! Oui! Ici sous track, là. Allez, oui! Eh bien, ok, à demain à Zagos. Merci, oui. Ok. Toute belle chef qui nous fait là. Yes! Dans son bipo. C'est yon rosé. Couillon la pli cap calé yon fétol. Couillon soleil cap pini yon glacis. Qui est là? C'est un couleur m'en pini sur l'école. Maman, à ta grâce. D'une soupe sa belle pour les punta. Toutes conditions réunies pour tes écrésies. C'est yon qui a fait mon lambisi. Ah! Ça fait là. Oh oh, quand faudrait la mando? Hein? Maman. Sans besoin là. Pas bien chic, papa. Maman! Pas un monde dans la tout le monde dehors. Comment faudrait la demander? Qui doit? Je dois entrer. Bon, ils arrivent pour moi. Toujours là. Julie! Vous savez des bagages, pas vrai? Oh! Eh, mais je tiens pas mon tout ça. Où est-ce qu'on va? Ah! On te tient. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Mon truc est, ça me pèse, je vous dis. Ah! Chira, non! Oh, qui est belle oh. En tout cas, pourquoi tout le monde est là? On va cacher. Qu'est-ce qu'il fait là? On ne dit pas pour ça pourquoi. D'ailleurs, m'a dit c'est où tu es de vous. D'ailleurs, pourquoi tout? Pas qu'il y ait monde qui a confiance. C'est quoi c'est problème de coton? Fabiola! Mais ça c'est moi crier? C'est Rodrigue! Qui Rodrigue? C'est le faux! Il a essayé de me violer! Qui ça? Violé? Merde! Ok, ma fini! Ok, ma fini! Non, non! Oh, ma fini parce que papa m'a suspect! Comment? Vous dites pas pour ça? Non! Rodrigue, tu sais me dire ça la petite! C'est moi qui te parle de vous. Papa m'a fait confiance.
Ok, chérie. C'est pas pour elle. Calme-toi. Ok? Dis-toi bien que ton cousin t'aime beaucoup. Ok? Prends ça, chérie. Monsieur Blanc, j'ai essayé de l'adorer. Essaye encore. Ils sont quand même sur la planète. Mais monsieur Blanc. Écoute, jeune fille, tu ne sais pas combien de chômeurs il y a dans ce pays? Non, je ne sais pas. 4 millions? 5? 6 millions? D'accord. Madame. Un bel costume, maman. T'as appelé mes costumes français, italien. Monsieur Blanc, il aime passer là, Kayo. Il passe où? Hier. Hier. Et au bas de là, mais Fabiola, t'es là. Je ne sais pas, mais j'ai reçu la Kayo. T'es bizarre. C'est mon monde qui t'a pris tant de monde. Que moi-même, présence m'était dérangée. Et. En tout cas, pas très bien. J'ai le désir, surtout. Bon, c'est pas fini, toi, fais pas, non? Et. On est. Ça, moi, il faut me parler quand même. Enfin, je me connais. Enfin. Comme si me dit papi m'ni pour mon entrer la caillou pour le fond bagaille comme ça et pour dou pas dit papa ça non faut que dit ça Fabiola c'est pas pour là comprendre nous pas qu'a dit ça non faut que dit ça les quand entrer la caillou et pas pour faire confiance hein ma chère monsieur Vara bon en pile. Mais pour qui ça c'est où ça privé? Hein? Faut qu'on dise pas pour ça, Fabiola. Pas de chouette là-dedans. Si pas dit pas pour ça, papa pas dit rien. Et là, ça l'a toujours dans la pour le faire ça. Te voilà, ma petite. Quand elle est là. Ah bon, ça va être ta fête aujourd'hui. Tiens, tiens, qu'on est là après tant de là. Comme un bon monsieur. Ah bah allez, ça va m'expliquer. On a sauté l'école, il faut de tant de garçons. Kim, bon a même Jean. Et ça papa. Je dis maintenant moi pour soi dire. Oui Jordan. Oui Jordan. Tête chargée. Ça que passe là men. Ah rien non men. Puis God dit qu'on a un problème avec Fabiola, men. Ça fait Fabiola intéressé comme ça. Et papa, non, moi, ça veut dire qu'on y a là, pas qu'à mando pour madame ou? En parlant de ça, ou pas j'aime moi Jenny? Jenny? Maman, moi, non. Ou envie, ou elle vole? Ou son gel? Moi-même, son j'ai Jenny. Ou fou? Ou fou? Et ça m'a y avec nous et nous-mêmes. Quand y a là, quand je notre fille à là, ou t'es qu'elle pas besoin de Jenny encore? Mon cher. Comme Jenny l'autre. Oui. Ou qu'on aime que problème femme men. La seule chose, c'est que Jenny et Fabiola est deux mondes différents. On n'a pas besoin de vous. Fouer qu'on bat Jenny? Ça veut dire si bien comprendre là. C'est confiance que t'as fait si fils ça comme ça? Ouais, moi-même partenaire. Préférer pour un film qu'on est dans vie à déjà, amen. On est mal lagué comme un soi-disant dit un petit monde et puis après, on est capable de mettre problème. Et pour Marlene, ça ne faut pas pour Jenny. Moi-même, dernièrement, je suis lui.
L'aime dans l'autre bord. Hein? Qui bord? La Kailia. M'kwa fek so di mou pas j'aime moi Jenny. Non. Jenny à l'école Fabiola. Allant mes détifia. M'a demandé qui j'en Jenny faire connait pour l'aller jusqu'en bas jusqu'à ce qu'elle allant m'aider Fabiola. Et pas monsieur a regardé. Ou voulez dire c'est moi-même qui fait toute bail ça yo? Non mon cher. Non. En tout cas papa. Bah même nek suspect mais qu'on s'attendait même. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est positif. Positif? Ça positif là? Bon, c'est à propos de votre fille, le jeune homme. Mais, quel jeune homme? Quel jeune homme? Le jeune homme. Ah, je vois. Ok, je vois. Ok, merci. Oh, tu as un problème, chérie? Salope! Oh, papa, papa! Fabi! Jamais que je t'aime, papa. Laisse-moi te dire, chérie. Chose, ma chérie, avant de partir. Oh, tu pars déjà? Oui, maman. Tu ne prends rien? Non, non, ça va, merci. Fabi?
Tu as quoi à 7h? Mm-hmm. Tout va s'arranger, ma chérie. Ok? Tu verras. Tout s'est déjà arrangé, mamie. J'ai... Oh, mon Fabi, allez faire combien dans sa cour pour prendre le frigidaire. J'ai pas fait, mamie. Bye. Sois prudente, ma chérie. Au revoir. Bonne journée, chérie. Toi aussi, mamie. Ti pèmè. Ti chéri, sa genyen. Ouch, ou gen lèk problèm? Vin nou chéri, vin fò chita kote m nan. Oh! Mon ti jan som chéri, ou pou kò pran depi maten? Dim nan, ki sa pran? Ma fèl pou. Ok, d'accord. Dim nan, gon lò gon problèm, chéri, m pa remè. Jan mwa ou an ti jan som nan m pa remè vizaj ou, se pa konsta m de kon wò. En so gen chè ou gon problèm? Ou met pa lavem, sou gon problèm ou met dim ma pe do. M pa gen problèm sa, chéri. Dim nan, esko gon problèm ou gon problèm? Pa lavem, chéri. So gen moun amou. Oh, apop kriye, chéri. Pa lavem, chouchou, pa bezen kriye. Ou met dim so gen. Bamre le Fabiola. Allô? Allô, bonsoir. On peut parler à Fabiola, s'il te plaît. Qui demande pour elle? Cassandre. Cassandre? L'amie de Fabiola? Oui, oui. Justement, nous t'ai besoin. C'est parce qu'on n'a pas le numéro qui fait une barrelo. C'est Julie? Oui. Fabiola me parle souvent de toi. Ça gagne, pourquoi ça t'a parlé les mains? C'est que Fabiola à l'école matin, voilà que jusqu'à présent pour rentrer. Mais non, Fabiola pas à l'école matin. Qui ça? M'pas trouvelle, au contraire, c'est peut-être ça m'relé pour m'conne qui ça l'gain. Ok, d'accord, Cassandre. Et je dois raccrocher. M'pas parler ça avec mon maman, ok? Ok, comme on dit mon gain numéro, ou gain caller ID? Ok, l'heure vini, relé. Ok, pour m'conne qui ça l'gain. D'accord, bye bye. Je ne viens pas qu'on vini. Ça qui passe. Ah, elle va à l'école. Kounia, quand elle passe, Junel. Date qui le lié. Mon Dieu, quand petite moi. C'est m'te qu'on aime pas qu'elle à l'école, non? Mamie l'a fini, oui. Pas quoi Fabi a pris dehors que ça. Leur ça, elle est beaucoup rentrée toujours. Moi, elle est tout de côté, elle est pas là. Non, pays qui toujours tête en bas. Ça peut être nous là. Il y a 15 ans de faire des boules. Pour nous abattre. Et puis, il y a une fille. Oui. Gardez, Gérard, pas dire que petite fille que je ou t'es plus bon, c'est ça? D'ailleurs, c'est mon père responsable, ça. Yo. Qui cause malheur, il fait petite noire? Oui? Si son petit garçon te gagne, on tape dit même bagaille. De toute façon, si on cause ou malheur, il fait petite noire, ça n'est pas bon pour moi avant, non? Seigneur, j'ai besoin de présence au moment ça. Seigneur, j'ai besoin de présence au moment ça. Seigneur, j'ai besoin de présence au. Mami, gardez. Jeune numéro, jeune homme là. Qui jeune homme? De qui soit parlé là, Julie? Le petit ami de Fabiola. Hein? Fabiola, tu es en remède sous moi là? Eh bien, petite fille, pas petite pour mon fait. Ah, mamie. Mamie, c'est réel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux parler à Jeff, s'il vous plaît? C'est moi. Jeff? C'est la petite soeur de Fabiola. Passez mon téléphone, non. En tout cas, monsieur, je ne sais pas qui est-ce que je parle. Quoi t'es petite, moi? Fabiola? Ça a gagné. C'est où vous me posez cette question, ça? Maman, tu parles trop fort. Mais madame, je sais rien.
D'ailleurs, je souffre comme vous. Vous souffrez tant comme? Comment il a bêté ce passé-là? Mais de qui doit vous souffrez tant comme? En tout cas, monsieur, je dis ça sincèrement. Petite moi, hein? C'est où pour faire me jeûner? Parce qu'on complice dans la disparition. Si ma jeûner, ma faire et tout. Jeff, Sorgen. Fabiola disparaît. Qui ça? J'entendais. Oh, Jeff. Tiens. Là. Tiens. Bonjour, Gérard. Ça va? Bonsoir, Gérard. Betty? Oncle, j'ai ce qui passé. J'ai l'air de me faire l'aventure, ça va bien. Et vous même soyez chercher là? Après tout ça fin passé, quel courage de mettre pio là? C'est fort si tout le bagage est arrivé jusque là. Mets-toi dehors. Va-t'en, je te dis. Va-t'en! Dehors! Oh, Gérard? Gérard? Oh mon Dieu, qui a crevé? Qui a crevé? Oh mon Dieu! Gérard? Gérard, il y a l'ambulance pour moi, Patrick, il y a l'ambulance! Bien, ça va. Laisse-toi se reposer maintenant. Dis-moi, docteur, comment va-t-il? Calmez-vous, je crois que ça va aller. Docteur, est-ce qu'il va s'en sortir? Ne t'en fais pas, Julie, il va s'en sortir. Son état n'est pas trop grave. Il est en état de choc, mais c'est passager. Je vais vous faire une prescription. Vous allez l'exécuter. C'est urgent. OK? Ah, oh, merci, docteur. Je vous en prie. Vous pouvez aller le voir, mais quittez le fond y reposer. En allez, Julie. Patrick? Allô? Allô, bonsoir. Madame Grand est là? Non, madame n'est pas là, non. Il est à l'hôpital. L'hôpital? Ça a rien. Monsieur est malade. Marie là. Ça passe-t-il? Bon, on connaît les gens qui ont une petite fille sont un problème. Qui a fait le palais, fait mauvais sang. Tout ça n'est pas bon. Merci. C'est pas ça qui est intéressant. Dans quel hôpital lié? Eh, Mabdou, oui. Dans l'hôpital Jacotin. Hein? Ok. Salut. Bonjour. C'est la petite soeur de Fabiola, hein? Bien sûr, mais vous êtes Jeff? Oui, c'est moi. Disons, vous êtes venu voir papa? Oui, il est là. Bien sûr. Venez donc. D'accord. Maman? Je te présente Jeff. Il est venu voir papa. Bonsoir, madame. Je suis Jeff. Monsieur, sans besoin là. Madame, bah qu'on a un. Qui ça? Mais où est ma fille? Mais madame, m'a souffri de absence li. Ou m'a souffri de qui ça, monsieur? M'a souffri de qui ça? Tante Lucie, Seigneur. Calme-toi, ok? Calme-toi, tante Lucie, calme-toi. Bon, comment c'est bouquet avec bagaille ça? Calme-toi. Fais le sorti, fais le sorti pour moi, fais le sorti. Ok, tante Lucie. Jeff, allons. Mais qui tout bagaille ça en mieux là? Allons. Oh oh! Si je ne suis pas venu. Vous pouvez excuser ma tante Lucie, non? Où qu'on est? Il y a Fabiola et puis tonton Gérard vient tomber malade. Tête libre là. Vous comprenez? C'est pas comprendre, pas comprendre. Mais imaginez-vous, il n'y a pas même pensé si je souffre même j'en avais, non? Ouais.
Ou imaginez, dernière fois que je parle à Fabiola, c'est 2h du mat. Je suis trop heureux de penser. Quand je suis là, je vais mettre ensemble pour que Fabiola te dise papa. Ok? Quand tu es vagabond? Vagabond, tante Lucie. Jeff pas un vagabond. C'est un petit bien. Il n'aime pas que la vie du mal à Fabiola. Comment le sais-tu? Fait que tu te parles avec elle là. Il dit m'y remèle. Je le pense aussi. Et qu'en sais-tu toi? Et pas t'y mounouye? Oui, maman. Oui. Ou pensez que Gérard a pas accepté avec pile cheveux dans la tête là? Depuis le matin, ça qu'on y a venu? Ça qui passe? Rien même. Moi, ça me fait encore. Je passe dans la station radio. Je passe. Mais là. Mais Dieu, ça pour me conseiller pour faire. Prier pour continuer à prier. Et puis, renforcer, rechercher. Et puis, on ne va pas boutir en bagaille. C'est pas pour décourager, non? Je vais regarder. Monter. Ça m'a fait là. Mais oui, Jenny. Et si j'appelle Jenny? Je n'ai pas de pression, pas jamais connu. Parce qu'une femme jalouse est capable de tout. Oh, Jeff. Bon, regarde, ça pour le faire. Allô, Jeff? Allô, Jenny? C'est pas Jeff, c'est Jessie. Ah, Jessie. Ça gagne, hein? Jeff, gon problème? Ah bon? C'est ça t'as aimé? Alors, c'est quoi? Au fait, oui, Jeff, gon problème. Parce que Fabiola disparaît, ça gagne pas 2 jours de cela. Et nous, pas contre côté lié. Pour moi-même, ça son problème. La petite protégée, Fabiola. Elle n'est pas morte, j'espère. Jenny. Jessie. Écoute-moi bien. Si tu as quoi que ce soit à avoir avec la disparition de Fabiola, je te jure que je te rendrai. Quoi? Je ne te comprends pas. Tu oses m'appeler pour m'accuser d'une chose pareille? Tu penses que je pourrais être impliquée dans une affaire? C'est ça? Oui, c'est ça. Fabiola n'a pas entré la Cali depuis 2 jours. Et me garantit qu'on a fait tout ça que possible pour nous joindre. Et en plus, je sais que tu es très jalouse et par-dessus tout. Très, très agressive. Après ça, ça te fait dans l'école mounio là. Moi-même, moi garanti ou et m'a dit tout que me peur. Jalouse? Oui, je le suis. Tout simplement parce que j'étais amoureuse de ton frère. Mais je ne suis pas folle, tu comprends? Je ne suis pas folle. Et tout cela, c'est pour te dire que je n'ai vraiment rien à voir. Tu me comprends bien? Et au compte qui s'est vu, moi, pas jamais relever le téléphone, ça t'a dit. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Jessie, je te jure. Mais je me trompe ou c'est toi qui me fais des menaces, Jenny? Rejonvelle-la. Elle me tape sur les systèmes, cette pétasse. Vous entendez? Gérard, reposez au courant, ok?
Bon Dieu a fait une jeune Fabiola quand même. Pas. Bonjour madame. Madame, je suis... Non, on pas besoin de dire rien. Patrick m'a tout expliqué. Problème nous commence moins. Gérard commence à rétablir. Quant à Fabiola, on pas eu aucune nouvelle? Non, jusqu'à présent. M'imaginez tout côté le TK aller. Bah je n'ai rien. Mais nous-mêmes, nous pas jouons rien tout? Non. Ça n'a fait qu'une. De toutes les façons, on doit la retrouver. C'est un impératif. Monsieur Grand, vous allez bien? Ça va, Julie? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Cassandre, l'amie de Fabiola. Bonsoir. Tenez, c'est pour vous. On n'a pas toujours des nouvelles de Fabiola? Pas du tout. Oh. Mais c'est Fabi? Fabiola? Fabiola? Fabi? Oh, mon Dieu. Fabi? Oh, merci Jésus. Oh, oh papa. Je suis désolée. Tout ça, c'est fort, moi. C'est là qu'elle a me réveillé et puis elle a dit mon hôpital. Je regrette un pile, papa. Mais c'est la carrière. La carrière même. Oui, et pendant tout le temps, nous ne là et moi, je vivais ensemble avec les tacos de tissu. C'est une petite tête, elle me fait tout petit à faire. Nous n'avons jamais de problème. Maintenant, mon chéri. Chéri, tu sais que nous devons remercier Dieu de nous avoir amené notre fille. Où sont les filles? Il y a la pharmacie, elle a acheté des médicaments. Chéri, au compte ça me pensait, mon quoi après dernier incident, ça nous doit plus proche de nous. Parce que nous pas qu'à faire choix pour eux. D'ailleurs, Fabiola est assez grande, nous pas qu'à décider pour lui. Prenons l'exemple de ce jeune homme. Si Fabiola remet, nous pas qu'à faire le contraire. D'ailleurs, méthode traditionnelle, ce n'est pas de mise encore. Nous croyons que Kounia nous supposait prendre notre direction pour épanouir ma famille. Ça va pas? Ça va, ça va. Fabiola? Oui, pa. Kounio, il est 18 ans, n'est-ce pas? Oui, papi. Je crois que dans la SA, où doit-on se sauver? Oui, papi. Je n'en ai pas fait. C'est à propos de ces jeunes hommes. Où sont ses parents? Ils sont à l'étranger. Mais avec qui vit-il alors? Avec sa sœur. Tiens, tiens, sa sœur. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Quelles sont ses activités? Il étudie les sciences comptables. Tu le trouves bien? En quelque sorte, oui. Tu comptes toujours le rencontrer? Le revoir, n'est-ce pas? Comment ouais, papi? Où t'es pas allé bien avec dans l'hôpital là? Bah qu'on est sauve Léa, c'est lui m'a fait. Parce que m'a pas aimé causer genre d'histoire ça ou la famille. Je voudrais le voir. Invite-les à dîner ce dimanche. Ici, hein? Qui compte t'a aimé encore?
manquez pas. Comment vous pensez comme ça? Prête le téléphone de mamie, papa me dit qu'on ça m'inviter Jeff manger là. Ah mais bonne nouvelle. OK. Mon Fabi ça. Comment vas-tu mon chéri? Ça va, ça va. Ça va? Oh, monsieur God. Bio la belle, oui là papa. Vous m'avez fait appeler? On chèque à monsieur God. Où est-ce que monsieur arrive là, monsieur God? On chèque peut-être ça, monsieur God. Bien toujours, ou qui te reste là? Ouf, ok. Oh, monsieur God, ça sont les évocations bon là, oui. Sans mal faire là, monsieur God. Deux petits filles, sans mal faire manger, monsieur God. Et petites filles, pas m'en aller pour manger, hein? Où vous me faites travailler pour monsieur Grant? On peut parler mon petit monde, monsieur. Bagaille pas fait comme ça. Monsieur Grant, grand monde. On peut parler mon petit monde, monsieur Grant. Vous avez raison. Vous avez trop confiance. Dehors! Fini là! Eh bien, ok. On a besoin. Julie, regarde. Définitivement, en te parlant, on finit par comprendre que tu es vraiment quelque chose. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur et madame Boite. Mais je profite de l'occasion pour vous dire que vous avez une fille vraiment bien. Et je vais faire tout mon mieux pour qu'elle soit heureuse. Merci beaucoup. C'est le mariage, ça. Eh bien, levons nos verres au bonheur de Fabio et de Jeff. Merci. Bon, je suis un peu fatigué, alors je vais me coucher. Excusez-moi. D'accord. D'accord, attends, on va dormir, maman. Ah ben, je m'en tire. Au revoir, Jeff, et à bientôt. Bye. C'était fun. Allez, viens. Tes parents sont vraiment bien. Mon pote, je suis tien. Foutesse. Mais ma foi soutient. Au moins, que de tu l'auras. Jéhovah t'a donné la vie à toi de faire les suivis. Genre de château ou sans demeure. Au courant d'où on t'a fait. Qu'est-ce que t'as à faire s'il faut revenir au gars de droit avant d'essayer de les plaire. J'y vas, ça nova. Yano, sois le capitaine de votre bateau. J'y vas. Sanova, piano, soyez le capitaine de votre bateau.
me gagne, y'a ici qu'à plier, mais li pas que j'en casse. Et si parfois m'balancer, c'est sous tempo la vie à ma pédance. Je dis à moi comprendre philosophie, rien ne sert de courir, c'est possible la vie. Belle vache, plus fait noir, patience, courage, ses amis en soldat. C'est longtemps, longtemps, dès qu'on prend bois balé, pour moi faire tourner choual. Courir dans toute sa vente, point papillon pour me mettre dans bocal. Je dis à m'grandère, la vie son processus de 3, 4, 5, 6, 7. Il va beaucoup à beaucoup lentement, arrive sur le vent, j'y vais, ça n'a pas. Yano, soyez le capitaine de votre bateau. Sanova, piano, soyez le capitaine de votre bateau. Si ouem, clocher, si ouem, maintenant, sous l'évier, pas paix. Sous la bien, sous accélérateur, c'est pas excès de vitesse que me grave. Me connais Haïti, pas des highway. Qu'on s'habille Haïti, pas j'en pressé. Pas paix, c'est pas plaît, m'a pris de Philippe. Me connais tout si vous découpé. Ça fait espérer d'avoir le docteur. La vie bonne, nous voit micro. Et ça, mon seigneur chantait. Tu vas ça, nous va piano. Faut aller lentement pour arriver sûrement. Tu vas, ça nous va piano. Soyez le capitaine de votre bateau. Tu vas, ça nous va piano. Soyez le capitaine de votre bateau. Nena qui savoir évoluer, pour gagner cette mission dégage au rivet. Boy, si plein et qu'abusé à terre pour ta queue, ou obligé mes vieux. Crasé, crasé, bête tout, qu'est bête tout, même j'en attends, moi j'aime, ouais, dans tête tout. Bachita attend, y'en chauffeur pour mener, passe clé ou devant la vie ou dans la mer. Premier chute au cabagol, c'est qu'on s'attire, garçon, la vie à toile. Même aller à Bercy ou découragé, commencer à quitter, c'est un beau danger. Faut lever, faut marcher, faut courir, faut. C'est qu'on s'attire, garçon, la vie à toile. Même aller à Bercy ou découragé. Commencer à quitter, c'est un beau danger. Faut lever, faut marcher, faut courir, faut...